Bonjour tout le monde, c'est Absolu Cario de retour depuis la dernière fois. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va s'ouvrir le coffret Felinferno GX. Encore un très beau coffret hein, avec. C'est quand même assez rare qu'on ait des full art en promo. Donc c'est bien de le souligner et ça fait plaisir. Il faudrait qu'ils en fassent plus souvent. Notamment, ce serait bien d'ailleurs qu'on ait. Je vais l'ouvrir en même temps que je parle. On a comment? Les full art des Best of XY. Par exemple, Lucario, Mega Lucario, ce serait bien. Surtout les méga en fait, qu'on n'a pas eu en full art du coup. Que les Anglais ont eu dans un énorme coffret et que nous, on n'a rien eu du tout. C'est vraiment bien qu'on les ait aussi. Même s'ils nous sortent encore un coffret à 60 balles ou 70 balles, c'est pas grave. On commence à avoir l'habitude de toute façon. Au moins qu'ils les sortent en français. Tu vois qu'il y a certaines cartes qui sont sorties. Comme les méga Camerupt. Méga Dardarian, tout ça. Hop, voilà, je fais tout tomber. Hop, alors. Elle est vraiment belle cette carte aussi. Mise au point. Juste une mise au point. Voilà. Allez. Fais pas la mise au point sur les boosters derrière, on s'en fout. Oh mais il veut pas. Fais l'inferno. S'il te plaît. Non, il veut absolument faire une mise au point sur les boosters. Voilà, ça va. C'est bon. Non, il est reparti. J'ai la poisse. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est bon. Fais l'inferno GX full alert. Le matoufeu. En holo avec les points. L'holo avec les points, c'est quand même le meilleur holographisme du monde. On peut pas dire. Petit fiel flamiaou avec les points. Au moins on a 3 promos dans le coffret. Enfin c'est pas vraiment des promos puisque ce sont des cartes de la série, juste holographiques. On peut les avoir qu'ici du coup. Hop. La magnifique jumbo. On va laisser au fond d'ailleurs. Hop. Désolé en Finobi, mon ami. Est-ce qu'on a les 4 illustrations? Oui. Donc on va ouvrir dans les orques la dernière fois et puis on verra bien. Comme ça. Voilà. On commence par Necrozma. Allez, c'est parti. Bon. Je vais plus rien espérer cette fois-ci. Comme ça va être au feeling. Hein. À chaque fois je dis j'espère avoir ci, avoir ça, là j'espère rien du tout. Comme ça. Je vais quand même enlever, j'ai peur que ça fasse la mise au point derrière. Voilà. Hop. J'espère rien. Juste voilà, prendre du plaisir à ouvrir les cartes. C'est parti. Énergie combat. Apocine. J'aime bien, elle est badass cette dresseuse. Hypocéan. Kulbutoki. Riolu. Le Bombidu. En chouette. Skelenox Kidab. CPA top. En reverse. Oh, super. Une rare. Le Darkrai. Je crois que c'est une holographique, mais. J'ai l'impression que je crois que toutes les rares sont des holographiques, donc. Mais je crois que celle-ci, c'en est vraiment une. À la base, très joli, et on finit avec Crabominable en rare. Bon, on commence avec une rare. On va pas se plaindre, on aura eu deux rares dans le booster quand même. Là, c'est Toco, je sais jamais comment il s'appelle, Toco Pisco, Pascal Obisco. En plus, c'est sûr, c'est Toco Pion, non, c'est rien. La honte. 1, 2, 3, 4. J'ai pas joué à Ultra Soleil et Ultra Lune moi, donc je fais que Soleil et Lune l'année dernière. Je me souviens plus des Pokémon. Énergie, Plante, Ortide, Sévipère, Nefi, j'aimerais bien l'avoir aussi en full art. Skelenox, petit Stigri, Spododo, le petit Salamèche, Porygon, en reverse, encore une rare, c'est Pietros. Elle est vraiment jolie en reverse, les cartes obscures, très très belles. Et on finit avec Rogada en rare. Bon, mais je suis abonné au rare, moi. Moi, je vais vraiment tout miser sur ces deux boosters, tant pis. Allez, je crois en vous. Vous pouvez sauver mes ouvertures. Non, je crois que j'ai vraiment la poisse. Allez, il a du mal à sourire, lui. S'il a du mal à sourire, c'est qu'il y a une ultra dedans.
Le mec qui essaie de se persuader qu'il va avoir une bonne pioche. Allez, énergie. Oh, Scobolide. Guzmé. Super Appel. Pikachu. Sonistrel. Araquois. Le petit sac de nœuds. Rhinocorne. En reverse, le petit Maril en pelote de laine. Trop mignon. C'est une commune. Et on finit avec... Ah bah voilà, Sarmorey GX Full Art. Bon, quand même. Pff, par contre, le fond vert, je suis pas certain, mais... La carte est vraiment sympa. La position du Pokémon et tout est vraiment sympa. Même si c'est vraiment un insecte, moi je m'en fous, j'aime bien les insectes, je m'en fiche, mais... Sarmorey, là, vraiment, il est classe. Juste le fond vert, bon, c'est parce que c'est un type plante, voilà, mais... Il est classe, quand même. Ah, vraiment, là, ça fait plaisir. Bon, j'aurais au moins une ultra... Non, vraiment, elle est belle. Je suis content. Ça s'ouvre le coffret. Merci, O, pour cette ouverture. Allez, on finit avec, du coup, Marchadao. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une belle carte. 2, 3, 4. Allez, Marchadao, on croit en toi, énergie psy. Le spray tourmenteur. À Flamanoir. Il fait la mise au point parce que là c'est un peu moche. Voilà. Vulne d'assurance. Mariel. Hoot-hoot. Rhinocorne. Tarsal. Sec de nœud. En river, Sepiatros. Stop, pardon. Sepiatros Botros. Fini avec Kia. Et ben Tarambura. Bon. Et puis voilà. Donc heureusement, on a quand même eu le petit Sarmorey GX Full Art. Ça fait plaisir. Tiens, un Finobi. Hop. Non, elle est vraiment belle. Je vous la montre quand même de plus près. Mise au point, s'il vous plaît. Mise au point. Voilà. Avec l'attaque Escarmouche et Pression Cuirassée. Il a vraiment du mal. Voilà, hop. Alors vraiment, elle est belle. J'aime bien ce contour bleu, mais ça fait... Ça fait quand même moins ressortir les Pokémon que quand c'était des ex. Avec le fond beaucoup plus travaillé. Là, c'est vraiment un fond uni. C'est assez simpliste. Mais bon, il y a quand même des cartes qui sont vraiment belles. Celle-ci en fait partie, je trouve qu'elle est sympa. Et je vous remonte les promos. Donc le petit Flamiaou et le Matoufeu de la série. En holographique. Et fait l'Inferno GX. Voilà. Très bien. Beaucoup de rouge sur cette carte. Mais vraiment classe. Voilà, ça fait plaisir quand même. Hop. Voilà. Enfin un bon coffret. Après les deux échecs des fois d'avant. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans votre coffret, si vous l'avez ouvert celui-ci. Ça m'intéresse. Laissez un petit commentaire en dessous là-bas. Tout en bas là. Ça me ferait plaisir, énormément plaisir d'ailleurs, que je puisse discuter avec vous. Et je vous fais d'énormes bisous. Et peut-être à bientôt pour un nouveau coffret ou quelque chose à ouvrir. Il me reste encore des trucs à ouvrir. Donc on verra, ce sera la surprise. Gros bisous tout le monde et à très vite. Ciao ciao.